Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. On est parti pour une nouvelle aquarelle sur un format 14 et 40 et demi centimètres sur 15 avec les bordures. J'ai fait une bordure de 5 mm là. Je vais faire, on va un paysage d'automne, des arbres, un chemin, je sais pas. On va partir. Peut-être avec de l'eau, j'aime bien la flotte. Un étang, je sais pas. Les couleurs d'automne, essayez. Là, c'est juste une teinte pour donner une idée. Là, il peut y avoir un chemin. J'aime bien les lumières aussi. Elles pourraient arriver de là. Je me sers des restes des autres aquarelles. Quelque chose de très léger. Bon. Les couleurs d'automne. Du vert de dune. MS. Un vert foncé plus de la terre de sienne. J'ai mélangé, mais j'aurais pu le faire séparément aussi. Un peu de vert. Chiffon, chiffon, chiffon. Bon, si c'est l'automne. Il y a beaucoup de couleurs. Les jaunes, les fougères, etc. Les jaunes, les bruns. Pas du tout ce que je voulais, ce que je voyais dans ma tête, mais bon, faudra que ça marche quand même. Si je pouvais ouvrir mon crâne et voir ce qu'il y avait dedans, ça ferait peut-être peur, mais vaut mieux pas. Qui aurait peur? Là, j'ai plus de temps. Là, c'est pas toi au bord du chemin, là. On va descendre un peu plus. Un cri de peine. Il est ailleurs. Là, c'est. C'est cette couleur. Je ne sais pas si c'est du gris de peine ou du noir. Ça fait plus noir que. Mais ça ira quand même. En fin de compte, le gris de peine, c'est un mélange des trois couleurs primaires. C'est-à-dire le cyan, le jaune et le. Et le rouge. Quand vous mélangez en part égale, ça vous donne un noir. Et le gris de peine, il est plutôt une penche
Il y a un peu plus de bleu, quoi. Donc ça fait un gris, c'est un gris bleuté. C'est comme ça que je me l'explique. Avec l'ongle, on peut retirer des blancs, simuler des branches ou toute chose, ou toute autre chose. Là, ouais, je sais pas comment je vais m'en sortir, c'est bizarre. Ça me fait peur, hein. Mais ça fait rien, on va y aller. Mais si. Bon, ça va loin, on va mettre. Je change de pinceau. Prends celui-là. Plus c'est loin, enfin en général, l'horizon, ce qui est loin, ça devient blanc bleuté. Jusqu'à se confondre avec le ciel. Le prochain coup, je ferai une. Je sais pas ce que je ferai. Il y a quelque chose de plus. Un peu plus détaillé, photographique, dis donc. Pas vraiment photographique, mais quelque chose de plus réaliste, voilà. Cela, dis donc, c'est assez fantaisiste. Je me laisse aller. Je sais même pas où je vais de toute façon. Peut-être que je vais droit dans le mur. Mais tant pis, j'y vais quand même. Bon. Il peut y avoir des arbres. Sont alignés ces arbres quoi. Doucement, sois pas violent, Estival. Oui, chef. Et on va employer le pinceau éventail. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, il y en a un qui est plus petit, mais j'en ai d'autres plus petits. Mais. Il est un peu plus petit celui-là. On va le garder sous la main. Bon, on va faire des feuilles vertes. Mélange de vert, de jaune. Enfin. Avoir de l'herbe. De l'herbe. Des petits arbustes. Se mélange. C'est un grand chemin qui mène vers la lumière et la vie. Je ne vous en avais pas parlé il y a longtemps.
Si vous prenez le bon chemin, vous irez loin. Et moi, est-ce que j'ai pris le bon chemin, là, je ne sais pas. Donc je m'amuse, hein. Je m'amuse à voir ce que ça va donner. Du bleu foncé. Alors c'est pour la tranche, là, si on fait sur la tranche, on peut avoir des effets aussi. Je m'amuse. Amusez-vous quand si vous peignez. Faites-vous plaisir. Mais bon, y a une chose, c'est sûr qu'il faut savoir s'arrêter quand on fait quelque chose. Et là, comme je sais pas où je vais, alors j'y vais. Voilà, si je rince et je fais l'eau claire maintenant, ou presque, hop, le fait de faire ça, ça va créer des blancs. Enfin, plus ou moins. On le sent bien ici, moi aussi. Bon. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais tapoter maintenant. Alors en fin de compte, pour faire des arbres, ben, il y a des tas de façons de faire. Surtout le feuillage. Si vous tapotez avec un pinceau ou une brosse plus dure, j'en cherche une. Pas trop grosse ni trop mince. Bon, c'est... Ouais, il n'est pas vraiment doux. Là, c'est une brosse que je me sers pour l'acrylique. Vous voyez, elle est... Et il y en a d'autres. Attendez, bougez pas. J'ai que l'embarras du choix, j'en ai trop. Quand on en a trop, c'est la trop. Et ça, c'est une brosse que je me suis servi à l'acrylique. Et... Il y a une usée qui a été taillée, etc. Enfin, voyons voir si je prends. Enfin, on tape autant. Enfin, on tape autant et si on veut. Si on veut pas taper autant, on tapote pas. Est-ce que je tapote là? Non, je suis un petit peu. Je peux tapoter comme ça, mais il n'est pas assez large. Il n'est pas assez large, ça va pas comme je voudrais. J'ai une foule de pinceaux. En fin de compte, ils sont tous intéressants, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Celui-là, il a durci. Là. Et ce pinceau, il n'est pas assez... Là, je vais passer. Bon, je vais en chercher un. Bougez pas. Où j'en trouve. Le tout, c'est de savoir lequel. Vous êtes toujours là? Vous êtes patient? Bon, tant pis, je vais prendre. Tant pis. Tant pis. Ah, s'il y a celui-là qui peut être. Il est gros, celui-là.
Mais tout neuf en plus. Je pense que je m'en suis jamais servi. Oh là là, accident. Il a tout cassé. On peut faire des choses comme ça, oui. Il y a tellement de possibilités. Faites-vous plaisir. Maintenant, il faut savoir s'arrêter. Soit vous en faites un paquet. Enfin, il faut ça. Le problème, c'est savoir s'arrêter dans la vie. On va mettre un peu d'eau. Là, je tapote pas avec ça, par contre. Bon, une autre technique. Une autre technique. Je crois que je vais laisser sécher un peu là parce que. Et peut-être avant pendant que c'est humide encore, que ça coule un peu. Ma table penche un peu légèrement, elle est légèrement levée, donc ça descend. Vous voyez là, il y a de l'eau. Je vais prendre un pinceau. Celui-là, non, celui-là non. Un petit gant, c'est pas la peine. Peut-être celui-là. Allez, on va essayer. Faire, c'est le biseauté là, je peux faire des pointes, mais bon, il y a meilleur, il n'est pas d'une qualité supérieure. La tranche là, elle n'est pas fine fine, pas mal, mais comme la pointe, ça manque un peu de souplesse. C'est quoi comme zou, ça a l'air chinois ou zou, ling, zoufing, je sais pas. On va faire avec. Quelques troncs là. Ouais. Troncs ou des branches. Voilà, c'est un gros tronc là. On sait pas. C'est pas le meilleur. Je vais prendre plus de chaud hein, que j'ai pris tout à l'heure. Qui peut-être qui trempe. Hein. Celui-là il peut aller aussi. Bon, on va continuer un peu. J'en profite pendant que c'est humide. Hein. J'ajoute de l'eau en plus. Il y a toujours des. En arrière-saison, comme ça, quand il y a un mélange de couleurs, des couleurs plus chaudes. Les bruns, bien sûr. Comme ça, les fougères, les chênes, il y a des chênes à feuillage persistant, d'autres qui tombent, et les feuilles sont brunates, quoi, brunes. On n'est pas au Canada où les couleurs sont encore plus des rouges, des jaunes vifs, c'est, je connais pas le Canada, mais c'est une époque qui doit être merveilleuse avec tous ces lacs. C'est sûr que j'aimerais bien aller faire quelques photos sur place et quelques aquarelles, pourquoi pas. Bon, ben. Là, il y a un arbre qui est en train de se former, là. Vous voyez ?
Ne me demandez pas quelle espèce c'est, je ne sais pas. D'où vient la lumière? Je crois que je vais reprendre. Je reprendrai après. Puis qui se colle. Je vais laisser sécher. Je reprendrai après. Il faut savoir qu'on verra ce que ça donne. Notamment ici, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Bon, ça a séché un peu, mais pas intégralement. Je vais sécher un peu là. Je vais le garder. Faire un gros arbre. On va faire quelques. Ouais, on va en faire quelques. On en fait quelques. Une. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Des ombres, on va faire quelques petites ombres. La lumière arrive. Mais moi, je vais la faire arriver comme ça. Il est bien large ce chemin. Moi j'ai mélangé du bleu avec la terre de sienne. Si, il y en a des ombres comme ça, la preuve. C'est une avenue ce chemin, on dirait les Champs-Élysées. Je sais pas si les gilets jaunes n'arrivent pas à y arriver. La force. Ils sont pas cons les gilets jaunes, ils vont y arriver. Ouais. Retrait de blanc avec l'ombre. Ouais, c'est déjà plus sympa avec ces troncs là. Bon, je vais faire. Il manque un peu de vie. Quelques personnages. Qu'est-ce que vous en pensez? Je
Je vois que personne ne dit rien, donc vous êtes d'accord. Il pourrait y avoir un cavalier équestre, enfin, cavalier équestre, n'importe quoi. Un cheval avec un cavalier dessus. Je vais attendre que ça sèche là. Là, je vois que c'est pas sec encore. Je vais faire des petits retraits si je peux, là, puisque c'est pas sec encore. Avec ma carte de crédit. Carte de crédit, on me pique tout. Alors j'ai rien. J'étais obligé de la déchirer tellement je pouvais pas m'acheter autre chose. Il y en a qui déconnent quand même. Bon. Je peux pas faire grand chose, hein. C'est pratiquement sec. Enfin, ça a bien séché. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal autrement. On va laisser sécher. Bon, on est parti pour la dernière ligne droite. Donc, je vais essayer de faire des cavaliers sur cette belle piste. Qui reviennent ou qui s'en aillent, qui vont par là ou par là. Moi, je vais les faire venir comme ça. Allez, hop. Je me lance. Là, je. J'esquisse les. Le cheval. Peut-être que je ferai des retraits de blanc après. Le coup. Je sais pas. Il faudra que j'étudie le mouvement des pattes de la marche des chevaux. Un peu plus que je révise. Nous avons tous des démarches différentes. Un canard, un cheval, un homme et même une femme. Voilà, il n'y a pas de cavalier pour l'instant. Une cavalière, je vais faire. Voilà. Ça devrait aller. Je vais en faire un autre côté. Je vais faire des retraits de bas après. Deux peut-être. Regarde de l'autre côté. Là, ils veulent faire ce qu'ils veulent. N'écoutez pas. Là, ben, le problème, c'est que le personnage derrière, il est. Il fait un peu plus grand. Oh. Personnage qui est derrière, faut deviner. Là, il y a un peu trop épais, pas avant. Je mets des pattes, je les coupe. J'ai un vrai boucher. Ouais, ça va pas. Ça coûte trop, c'est trop humide. Bon.
Là, je fais un troisième, ils sont plus durs. Soit un peu plus fin. C'est un numéro 2. Trop d'eau. Bon, tant pis, ça va. Faire comme si c'était bon. C'est tellement aléatoire tout ça, c'est l'esprit qui travaille après qui met les choses en ordre. Et là, bon, pour l'instant c'est la même valeur, alors moi. On va faire des petits retraits de. Il faut que ça sèche. Ils sont tous c'est pas des chevaux blancs. On ne dit pas des chevaux, on dit des chevaux. Si, si. Moi, je vais faire des ombres aussi. Trop foncé. Donc je vais. Là, c'est trop frais. Donc je vais laisser sécher les personnages. Là. Et je verrai une fois sec. Moi, je vais l'aider un petit peu. Ça devrait aller. Donc je vais faire quelques petits retraits. Je m'assois. Quelques retraits de blanc et de l'eau. On va essayer d'être fin. Ça changera. Moi, je pense que. Je sais pas ce que je pense. J'essaie de penser tout haut, mais je sais pas si vous m'entendez. Donc je fais quelques petits. Retrait. C'est des choses qui sont qu'on peut deviner. C'est pas toujours évident de deviner des formes quand elles sont loin comme ça. Surtout quand on a la vue qui baisse un peu. Comme moi. Mais bon, je vois clair encore. Je vais. Voilà, ça pourrait. C'est vrai que les cavaliers sont plus hauts quand même.
Ça pourrait être un enfant ici. Là, on va mettre une tête plus haute. On va monter les têtes. Ouais, ça sera mieux. Les cavaliers, c'est pas des nains. Ouais, c'est mieux, je trouve. Et soit aussi, tu veux grandir. Je veux pas trop mettre d'eau ni de peinture. Bon, je crois que je vais laisser. Comme ça. Un peu de couleur, peut-être. Le pantalon. Il va avoir un haut. Edwin. Et jaune, c'est la mode. Du jaune. Et voilà, je me mets à faire des points jaunes. Savoir où tu vas, Estival. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais. Il paraît que je répète des choses comme faire et défaire. C'est toujours du travail. Alors. D'autres choses aussi. Bon. C'est un jeu où vous n'avez qu'à trouver ce que c'est. Il y aura des feuilles par terre aussi. Voilà, c'est vraiment d'aquarelle. C'est pas de la gouache, ça. Hein. C'est très transparent. Moi, je vais mettre, ouais, le jaune, je voulais mettre du jaune. Je vais peut-être mettre du blanc alors. Le jaune, il a l'air de. Mettre. Je prends un peu de blanc là. Ah, j'ai réussi à faire quelque chose. Je vais laisser tomber comme ça. À peine que je. Peut-être du blanc, enfin quelques. Quelques roses d'ici là. De blanc avec un peu de jaune. Le jaune va s'éclaircir encore, de toute façon. Bon, ça sent la fin. Allez.
Je fais des trop gros pinceaux. Ça va disparaître. Par contre, bien la lumière, bon, elle vient de je ne sais pas trop où. Je vais prendre celui-là. Je vais faire comme si le soleil traversait là. J'ai attrapé du jaune. Merde. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit du tout. Je vais nettoyer ça. Faire et défaire. Eh oui. Bon, je crois que je vais signer. Allez. Parce qu'il faut toujours. Il y a toujours une fin à tout. Je viens de trouver un petit pinceau affilé. Je le mets de côté. Est-ce que je vais le retrouver? Ça, je ne sais pas. Donc, je cherche un. Je vais signer avec un feutre. Si j'arrive à le trouver. Bougez pas. J'en ai des feutres. Hein. J'arrive jamais à trouver ce que je veux au moment que je veux. C'est vraiment pénible. J'ai de la place et j'en manque en même temps. Alors j'essaie de ranger au fur et à mesure, mais en fin de compte, j'y arrive pas. Je range. Je range tellement bien que je trouve plus après. Bon. Je vais finir au pinceau. M'énerve de ne pas faire ce que je veux quand je veux. Bon. Il a l'air bien celui-là. On va prendre du noir. Un petit peu. Allez, on signe ici. Passer le noir. Et voilà le travail. Bon, on dit que c'est fini. C'est fini, c'est fini. J'enlève le papier. Doucement. Ça se passe pas trop mal. Bon, ben voilà le chef-d'œuvre. Bon. C'est bon, on s'est amusé. Alors, vous voyez, je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Je vais prendre de l'eau qui est presque claire. Et pour enlever, il suffit de mettre de l'eau. On a
un bouchon en papier et recommencer pour enlever les taches ou ce qui n'est pas voulu. Voilà, il y a l'air de vouloir persister un peu. Voilà, le pinceau il est très très doux. Là, je vais nettoyer le tour aussi. Là, il y en a un peu trop quand même, je trouve. Je vais peut-être changer de pinceau, qu'il soit plus agressif. Celui-là devrait faire l'affaire. Pinceau propre, préférence. Bon, il est agressif, agressif. C'est vite dit ça. Pas tellement agressif, non. Il est plutôt doux. Bon, ben voilà. Alors je vais l'appeler balade équestre. Je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à bientôt.